En 1967, à peine sortie du tournage des Demoiselles de Rochefort, Catherine Deneuve veut briser son image de jeune fille sage et accepte le rôle d'une prostituée dans Belle de Jour, de Louis Buñuel. Incarner une bourgeoise qui trompe son mari lors de rencontres vénales affecte terriblement l'actrice. Sur le plateau, elle avoue, « Je dois tourner des scènes vraiment très difficiles. » Sans le soutien de sa sœur, Françoise d'Orléac, Deneuve n'aurait sans doute jamais fini ce film. Un jour, un destin. Catherine Deneuve, la discrète, des Demoiselles de Rochefort à Indochine, est diffusé dimanche 25 novembre à 23h00 sur France 2. Jean-Baptiste...